Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, je finis de m'installer. Désolée, j'ai un peu de retard aujourd'hui. Voilà, je mets un tapis. Si vous en avez un, préparez-le. On va en avoir un tout petit peu besoin, c'est pas nécessaire. Mais ça peut être utile sur la fin de la séance quand on va faire un peu de renforcement musculaire. Voilà, donc j'ai tout préparé. Je regarde juste si je suis bien. Je vais avancer ça un petit peu. Voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, une séance de 30 minutes de boxe assez cardio. Donc allez à votre rythme, surtout. Voilà, l'idée c'est de partir sur 10 minutes, un peu comme d'habitude, d'échauffement, mobilité articulaire, puis on monte un peu en gamme et en fréquence cardiaque. Et puis on part sur, j'ai préparé plusieurs blocs, donc assez cardio, comme je vous ai dit. Donc essayez de gérer en fonction de votre niveau. Pour ceux qui font le ramadan, on adapte. Hein. Moi, personnellement, j'ai fait toute ma carrière en faisant le ramadan et j'arrive à gérer correctement, mais c'est vrai que j'essaye d'adopter une alimentation qui va avec. Donc, si c'est votre cas, testez-vous. Hein. En plus, c'est le premier jour. Donc, voilà. Allez, je démarre. Je coupe. OK. Allez, c'est parti. Je coupe les commentaires quand même. Je vais laisser parler, mais on ne voit pas très bien. Donc, là, allez, go. On est là. Je vais baisser mon autre écran. Et c'est parti là pour une pointe de pied, largeur épaule. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, là on fait les chevilles, faites les poignets en même temps. Voilà, des belles rotations. On change de jambe. Et on va reprendre la pointe des pieds là encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, là, talons fesses sans sauter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On monte les genoux là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, on ouvre les hanches. 1, 2, 3, 4 et 5. L'autre côté, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, des rotations. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Et 5, là, des grandes rotations, l'une dans un sens, puis dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, là, pointe de pied et on touche le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8, ok, on écarte les jambes, là, le dos droit, la main vient chercher le pied opposé, on garde le dos droit et on fait une belle rotation des épaules. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on relâche les épaules vers l'arrière. 1, 2, 3, 4. Et 5 dans l'autre sens, là, engagez bien, prenez de l'amplitude. 3, 4 et 5. Ok, on tend les bras, les paumes vers le ciel. Et là, les épaules d'avant en arrière. Là, on engage bien. On fait des espèces de petits ponts. Encore.
Ok, on relâche. On va faire la tête là tranquillement. Des petites rotations. Ok, dans l'autre sens. Là, sur les côtés. Ok, et de haut en bas. Voilà, on va commencer à sautiller tranquillement. Là, toujours ce point de talon. Et là, les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, un devant, un sur le côté et on alterne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Là, les mains sur les épaules et des petites rotations très rapides. 1, 2, 3, 4, 5, en arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on alterne. En haut, devant, côté. En haut, devant, côté. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On continue. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2 et 3. Ok, on relâche. On tend les bras devant et on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En diagonale. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez. Là, on relâche les bras, les jambes. On va faire les coudes, on en profite. Là, une belle rotation. Allez, dans l'autre sens. Ok. On relâche. Là, on continue à sautiller. On va continuer l'échauffement. Encore 5 bonnes minutes avec des petites gammes athlétiques hein, pour monter doucement en puissance. Préparer les muscles, le cœur. Et puis après, on va travailler une partie en gainage. Donc, on a une petite séquence sur laquelle il va falloir s'accrocher un peu au sol. Et puis après, je vous proposerai deux autres blocs, mais je vous raconterai ça au fur et à mesure. Pour l'instant, on croise là, en relâchant les bras devant, derrière. Allez. Encore, 3, 2, 1, on relâche. Là, on court, on tire sur les bras, on ne va pas trop vite pour l'instant. On regarde droit devant. Et on relâche. Ok, là, jumping jack. Encore, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez. Tout de suite, on part en jumping jack, mais en diagonale. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez. Si vous n'arrivez pas à sauter, hein, je le dis tout le temps, on marche et on fait les exercices à son rythme. Ok ? Là, on va partir en salsa tranquille pour l'instant. Vous voyez, je ne vais pas trop vite. On va monter doucement, on ouvre, on ferme. Hop, hop, de à l'extérieur, de à l'intérieur. Allez, on relâche. Là, ciseaux avec les bras. On tend bien les bras. On amène les bras près des oreilles. Et on inspire, on expire. On reste pas en apnée. Ok. On relâche. Et là, le bras de là, on va croiser devant, derrière pour les jambes. Et au-dessus, en dessous pour les bras. Allez, encore un peu. On continue. Ok, on relâche. Petite montée de genoux. Là, tranquillement, vous voyez, je ne vais pas trop haut. On garde droit devant.
et là, on relâche. Là, genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Côté là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On continue à sautiller et on part là, en pieds joints. Là, on pousse bien sur la pointe des pieds. On continue, serrer les abdos. Quand on arrive au sol, vous devez les sentir. Allez, encore un peu. Ok, on relâche et on reprend notre montée de genoux. Et cette fois, on passe les bras devant. Allez, on met un peu de rythme si on peut. Encore 5, 4, 3, 2, 1, soufflez. Ok. Et là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On commence à mettre du rythme. Allez, il nous reste une minute d'échauffement. On continue. Encore. Ok, on relâche. Là, on boxe devant. Là, relâchez, tendez les bras. On peut relâcher les mains pour l'instant. On est tout le temps en mouvement au niveau des jambes. Et là, engagez les épaules. Là, les épaules, on les tire pour qu'elles viennent devant. Là, regardez droit devant. Et on continue encore un peu. Allez, 5 secondes. On ne lâche pas. 3, 2, 1, soufflez. Ok, on relâche. On finit. Là, les 10 secondes qui nous restent en étant toujours là en point de talon. On sautille ou on marche, comme vous le sentez. Ok, repos. Ceux qui veulent boire, buvez. Pour les autres, on va tout de suite se mettre soit sur le tapis si vous préférez ou à côté. Moi, je vais me mettre à côté pour l'instant. Pour le premier exercice, on va là descendre en chenille. On est en position de planche, on va rester juste 2-3 secondes dans cette position. On a vraiment les abdos bien serrés. Je serre les fesses et là, on remonte et on se redresse. C'est parti pour 5. Allez à votre rythme, faites-en 1, 2, 3 si vous pouvez. Mais on va jusqu'au bout. Allez, 2, on se redresse. 3, on n'oublie pas de serrer les abdos. Là, prenez conscience de la contraction. Là, on est bien gainé quand on descend. 3. Allez, encore. On remonte. 4. Encore. Et 5. On va tout de suite se placer sur le tapis en position de planche. La classique. Sinon, on pose les genoux. Là, en étant bien aligné. Tête, bassin, genou. Sinon, planche classique. Là, je serre les abdos. Je serre les fesses, les épaules bien au-dessus des mains et là, on ne bouge pas. On va travailler sur des séquences de 20 secondes. Vous voyez, 20 secondes, ça passe vite. Là, on est bientôt à 10 secondes. Vous pouvez vous fixer aussi un objectif de 10, 15 secondes si 20 secondes, c'est trop long. Il nous reste 5 secondes. 3, 2, 1, on pause. On ne va pas faire des longues pauses. Voilà, on a 5 secondes. On va tout de suite là se positionner sur les coudes. Dès que vous êtes prêts, je lance. Allez, c'est parti pour 20 secondes. Là, on serre toujours bien les abdos. On serre les fesses, on est solide. On n'a pas les fesses en l'air. Là, on est bien aligné. On est à 10 secondes. On continue. Là, on ne lâche pas. 15 secondes. Allez, 2, 1, posez. Je vous explique le prochain. On est en planche, toujours. Et là, relevé militaire. Allez, c'est parti. On monte et on descend. Allez, vous alternez un bras qui commence, puis l'autre. Allez, on est à 10 secondes. On continue. 15 secondes. Si c'était votre objectif, posez-vous le temps que je donne la suite. Ok, soufflez. Pour le prochain, il nous en reste encore un. On va se remettre en planche et là, bras tendus devant. Allez, c'est parti. On pose, on change de bras.
On reste bien aligné face à son tapis. On ne pivote pas. On est à 10 secondes. On pose, on change. Allez, levez bien haut le bras, serrez les fesses, serrez les abdos. On pose. On lève l'autre. OK, soufflez. On se relève. Et là, on va repartir sur notre chenille. OK, pour 5. Allez, c'est parti. On descend, on marche. Planche, serre les fesses, abdos et on remonte. 1. Allez, encore. On redescend, on est planche et on remonte. 2. Allez, on continue. Et on remonte. 3. Fixez-vous l'objectif. 3, 4, 5. Faites-en 1 sur 2. Même un seul, c'est pas grave. Et dès que vous ne pouvez plus, on sautille ou on marche sur place. Allez, on fait le dernier. Et on remonte. OK. Soufflez. Buvez si vous pouvez. Et là, on va tout de suite se placer. Là, position de squat. Les genoux ne dépassent pas la pointe de pied. J'ai les fesses tirées en arrière, le dos bien droit. Et là, on tend les bras de haut en bas. Allez, on va faire ça pendant 20 secondes. On reste bien fléchi. Si c'est trop dur, vous relevez un peu. Sinon, on continue. On tend les bras, on engage bien les épaules. Là, tirez. Tirez sur les épaules. Là, encore. Encore, encore. Allez, 5 secondes. Je vous ai rajouté 5 secondes. Allez. Top, soufflez. OK. On récupère un petit peu. Et on va passer à un deuxième bloc. Alors, pour le deuxième bloc, on va travailler en latéral. Donc là, je vous explique le premier. C'est un des plus simples. On va deux pas chassés. Je viens toucher mes plantes de pied. Là, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK ? Attention, c'est parti. On part pour 30 secondes, on met du rythme. Allez, mettez du rythme. Allez, encore. On est sur 10 secondes. C'est à vous de gérer le rythme. Par contre, tenez les 30 secondes. D'accord ? Si vous avez envie de forcer, on accentue, on descend sur les cuisses si on veut que ça travaille encore plus. Allez, 5. On continue. Là, on garde le dos bien droit. OK, soufflez. On récupère en sautillant, si possible. Sinon, vous marchez. OK. Mais pas d'arrêt total. D'accord? Là, pour le prochain, on va faire des montées de genoux en diagonale. Allez, et retour. On continue à sautiller. On part dans 10 secondes. Là, on lève bien. On contracte les abdos quand on lève les genoux. Le dos droit. Et tirez sur vos bras. Attention, c'est parti pour 30 secondes. Allez, encore. On lève bien les genoux. On met du rythme. Mettez le rythme qui correspond à votre niveau. Allez, encore. On a fait 15 secondes. On continue. 20. Allez, on lâche pas. Encore. Regardez droit devant. Gardez le dos droit. On serre les abdos. 2, 1, soufflez. Récupérez, on sautille, on marche. OK, le prochain. On descend, on va chasser bas. Là, extension. 1, 2, extension. OK, récupérez. Il nous reste 10 secondes avant de repartir. D'accord? On fléchit bien sur les jambes. Et c'est vous qui décidez du rythme. OK, allez là. On saute. Encore. On descend sur les jambes si on veut que ça travaille encore plus. Allez. On lâche pas. Là, j'expire bien. Descendez. Gardez le dos droit. Regardez droit devant vous. Aidez-vous des bras pour vous élever vers le ciel. Allez, on est à 20 secondes. Encore. Allez. Continue. 5. Allez. La dernière. OK. Sautillez. Pour le prochain. Toujours en pas chassé. Là. 1, 2. Je me pose. 1, 2. 3 coups de poing. En direct. Là, j'utilise bien mes épaules. 1, 2, 3. Je vise le même point.
Et à chaque fois, mon poing revient au visage. J'ai mis mes trois coups et je me déplace. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attention. On va y aller. C'est parti. 1, 2, 3. Allez, on se déplace avec la garde au visage. Là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, encore. On continue. 1, 2, 3. On se déplace. Continue. Là, 1, 2, 3. On est à 20 secondes. Allez, encore. Encore, encore. Tirez bien sur les bras. Ok, le dernier. 1, 2, 3. Sautez. On relâche. Voilà, tranquillement. Là, le prochain. J'ai les mains au niveau des tempes. Coup de genou. Je descends en squat. Coup de genou. Là. Ça, c'est l'option normale. Si c'est trop dur, je viens juste amener mon genou à mon coude. Là, il y a un gros travail abdominal sur cet exercice, d'accord? Allez, c'est parti. Coup de genou. Là, squat. Et on met du rythme. Allez, on garde le dos bien droit. On tire les fesses vers l'arrière. Les genoux vers l'extérieur. Là, on ne se redresse pas avec les genoux à l'intérieur. Tirez bien les fesses vers l'arrière. Regardez loin devant. Regardez le dos bien droit. Et on continue. 5. Allez, on serre les dents. 2. 1. Soufflez. On continue à se tirer. Il nous en reste 1. Ok, le prochain. Je suis là. 1, 2, 3 direct. Et 5 changements de garde. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Et je change de garde. Là, boum, 3 direct. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Attention, on part dans 5 secondes. Donc, 3 coups, 5 changements de garde. C'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Allez, encore, on est à la moitié. 3, 4, 5. 1, 2, 3, encore. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Allez, 5 secondes. Bam, on lâche pas. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ok, relâchez. On récupère. Ah. On finit la récupération active. Et je vous donne une pause. Dans 15 secondes. Continuez à sautiller. Inspirez, expirez. Allez, on continue. Moi, je commence déjà à bien transpirer. Ok, on relâche. Buvez pour ceux qui peuvent hein, pendant cette période de Ramadan. Pour les autres, on attendra tout à l'heure. Ok. Allez, le prochain. Alors, on va passer sur, toujours, on est sur du cardio box, donc je ne vais pas insister hein, sur la technique aujourd'hui. L'idée, c'est d'utiliser la boxe pour se bouger. Alors, on va partir sur un espèce de shadow en pyramide. Donc, je vais vous donner un nombre de coups. Vous allez l'effectuer en direct. Si vous êtes un peu plus expérimenté, vous pouvez passer des uppercuts, des crochets. Faites-vous plaisir. Maintenant, commencez à sautiller le temps que je finisse l'explication. Alors, pour la première série, on va partir de 3, enfin de 1 à 9. Sauf qu'avant de donner un coup, on fait un burpees, on remonte. 1, 2, 3. Si je dis 3, si je dis 5, ce sera 5. Ok? Je le fais avec vous. Hein. On va y aller doucement. 1, on descend, on remonte. 1, on peut rester quand on boxe les jambes là, parallèles. Ok? 3, on descend. 1, 2, 3. Si vous n'arrivez pas à descendre, faites que les coups. 5. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, on met de la vitesse. Et on sautille tout le temps. Là, on ne s'arrête pas. 7. On descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On continue. 9. On descend. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. On va repartir dans l'autre sens. Sauf que cette fois, on donne les coups et on finit par le burpees.
Ok? Allez, c'est parti. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On descend. On revient. On se dit 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On descend. Et on remonte. Continue à se tirer. Là, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Descend. 3. 1, 2, 3. On descend. Ok. On se tire, on récupère. Le prochain. Alors, là, on a fait le burpees. On va juste faire, vous pouvez là, par contre, prendre une position de garde classique, donc une jambe devant, une jambe un peu plus en arrière. On va faire une flexion et on donne les coups. Donc, flexion 1, flexion 1, 2, 3. OK? On garde toujours la même position de garde. Commencez à se tirer. Vous pouvez mettre vos poings au visage, les coudes collés. On baisse le menton. Et 1, flexion, 1, et on se déplace. 3, flexion, 1, 2, 3, très vite, on engage bien les épaules. 5, flexion, 1, 2, 3, 4, 5, encore. 7, flexion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On continue, les mains toujours au visage. Il y a une main qui frappe, l'autre qui protège à chaque fois. 9, flexion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est propre quand on travaille. Là, j'aligne tout le temps. Je tire sur mes épaules. On va redescendre. Donc, vous l'avez compris. On inverse cette fois. On donne les coups. On finit par la flexion. Allez, c'est parti. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Flexion. Et on bouge. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flexion. Et je me déplace. On continue. 5. 1, 2, 3, 4, 5, flexion. On bouge, toujours là, sur la pointe de pied. 3, 1, 2, 3, flexion. Là, j'ai bien la garde hermétique, les coudes collés au corps. 1, flexion, bam. Ok, on relâche. Si vous avez besoin de boire, prenez 3 secondes, parce qu'on va enchaîner sur le prochain. Le prochain, toujours en position de garde. On va faire 2 blocages. Blocage, jambe avant, jambe arrière. Et après, on enchaîne avec le nombre de coups indiqué. On commence toujours par le bras avant, que ce soit pour le blocage. Donc, je commence bras avant, bras arrière. Et quand je donne mes coups, je commence bras avant, bras arrière, bras avant et j'enchaîne. Mais toujours démarrage bras avant. Allez, c'est notre dernière séquence comme ça avant de passer au renforcement musculaire. Donc, on y va. On se tire. On joue les 10 blocages et on frappe. 1, bloc, bloc, 1. Et on bouge. On se tire bien. Là, on a les gardes bien serrées. 3, bloc, bloc, 1, 2, 3. En vitesse, on bouge. Là, bien précis, on s'allonge. On tire bien sur les bras. 5, bloc, bloc, 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 7, bloc, bloc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On continue. On se déplace. Pointe de pied. 9. Bloc, bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on bouge. On va redescendre. Donc cette fois, on frappe et on finit par les blocages. Toujours le même principe. Bras avant en premier pour les coups ou pour les blocages. Moi, je suis droitière, donc j'ai ma jambe gauche et mon bras gauche devant. Je l'ai déjà expliqué sur d'autres séances, mais si vous nous rejoignez sur des séances plus box-box, je reprendrai les positions de garde et la technique. Ok? Là, on continue. Donc, les coups, les blocages. Allez, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bloc, bloc. Et on bouge. Serrez les coudes. Baissez le menton, respirez entre les poings. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bloc, bloc. On met de la vitesse. Allez. Il nous en reste 3. Allez, 5, 1, 2, 3, 4, 5, bloc, bloc, bougez, pointe de pied, là, toujours mobile, on finit, 3, 1, 2, 3, bloc, bloc, bougez derrière, et le dernier, 1, 1, bloc, bloc, ok, on se tire, là, relâchez, on relâche les bras, les jambes, on finit, il nous reste 15 secondes, on continue à se tirer, là,
Allez, on va relâcher bien. Inspirez. Expirez. Là, relâchez les jambes. Ok. On passe sur le tapis. On est quasiment à 28 minutes. On va commencer. En fait, je vous propose deux blocs, une petite routine. Ma petite routine préférée, abdos. Et ensuite, une routine fessier. Pareil, je vous fais mes deux spéciaux. Ceux qui sont en continu et qui travaillent vraiment tous les faisceaux. Alors là, ici, on rentre bien le nombril, on aspire, on décolle légèrement les épaules. On regarde le plafond. Moi, je pars à chaque fois sur 12. Si 12, c'est trop, faites 6, 8, 10. Fixez-vous un chiffre, mais vous le gardez pour toute la série. OK ? Là, on va mettre les mains sur les épaules. On regarde un point fixe au plafond. On serre bien les abdos, on rentre le nombril. Et là, c'est parti. On fait glisser les mains sur les cuisses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Expirez à chaque fois. 10. 11 quand on monte, 12, ok, oh, là on vient serrer les poings, 1 quand on monte, 2, sentez les abdos, 3, 4, 5, 6, contractez volontairement quand vous montez, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, là on va caler les bras derrière la tête et là on fait des petites élévations, 1, sentez là, 2, 3, 4, on contracte, 5, 6, 7, 8, expirez bien, 9, 10, 11 et 12. Là, on vient chercher sur les côtés, on serre les pieds et là, toujours le ventre bien rentré, le nombril aspiré, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12, on écarte les jambes, là, les plombes de pied se collent, les mains entre les jambes ici, et là, on part pour 12. 1, 2, 3, là, toujours le ventre rentré, 4, 5, 6, on a conscience de la contraction, on l'exagère, là, 9, 10, 11, et 12. Allez, un petit dernier quand même, là, pour la route, les jambes tendues, pointe de pied fléchie, là, on va chercher. 1, 2, 3, ce sera le dernier, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, on souffle. Voilà, cette série, je l'aime beaucoup. Elle est efficace, complète. Voilà, je vous la partage, n'hésitez pas à la reproduire quand vous n'avez pas trop d'idées, sinon vous allez hein, sur ma page piocher des trucs. On va partir sur les fessiers, là pareil, je vous fais la gamme complète, celle qui est hyper efficace, la jambe tendue, on a le pied fléchi, le dos droit, les épaules bien au-dessus des mains, écartez les doigts, et là, des petites élévations de la jambe, là, 1, 2, toujours 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, on fléchit, là, on pousse vers le plafond, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, genoux, poitrine et on tend tout droit sans creuser le dos. 1, 2, on a le dos bien droit. 3, on expire à chaque fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, sur le côté, on finit là. 1. 2, 3, on bloque en haut, on reste là, et là, 5 petits, 1, 2, 3, 4, 5, on redescend, 1, on va faire ça 3 fois, 2, 3, on monte, 1, 2, 3, 4, 5, on le refait encore une fois, 1, 2, 3, on reste en haut pour le dernier, 1, 2, 3, 4, 5, ok, relâchez, on passe de l'autre côté, là, bien en appui, jambes tendues, on a le dos bien droit, on ne creuse surtout pas ici,
pied flex et là, des petites élévations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fléchit et là, on pousse vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on s'accroche, c'est le dernier, la poitrine est tendue, même moi j'ai mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, on garde le dos bien droit, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, on ouvre sur le côté, 1, 2, 3, on reste en haut, 1, 2, 3, 4, 5, on descend, 1 pour le deuxième, on en a 3, 2, 3, on reste en haut, 1, 2, allez, 3, 4, 5, le dernier, on finit fort, 1, 2, 3, allez, en haut, 1, 2, 3, 4, 5, relâchez. Ok, on va juste finir par quelques étirements, là on va tendre les jambes devant, on garde le dos droit, on va croiser la jambe avant, une jambe sur l'autre, et là soit vous venez agripper votre cuisse et la plaquer sur votre poitrine, sinon vous pouvez aussi pousser avec votre coude pour aller étirer les fessiers. Voilà, c'est comme vous le sentez. Et par contre, on essaye de garder le dos bien droit. Ok, on relâche. On passe sur l'autre jambe. Là, pareil, j'ai le dos bien droit. Et j'amène ma cuisse sur la poitrine. Ok, on va relâcher. Là, on va juste fléchir une jambe à l'intérieur. Attraper sa si on peut, sinon vous attrapez un peu plus haut et respirez profondément. Ok, on va se tourner côté jambes fléchies pour aller chercher loin derrière et on vient là essayer de fléchir le buste un peu plus sur la jambe tendue. Ok, on relâche, on va faire pareil pour finir sur l'autre jambe, la pointe de pied. Respirez bien. Ok, là pareil, on vient regarder loin derrière. Et on redescend, on essaye de grappiller quelques centimètres. Voilà. Bon, ça fait 35 minutes. Hein. Je crois que vous avez l'habitude, la prochaine fois, j'annoncerai le bon temps. Sinon, j'espère que vous avez... passez une bonne séance, que ça s'est bien passé pour vous. Je coupe juste YouTube et je reviens sur Insta. Je vous remercie d'avoir suivi la séance. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire ce qui vous intéresse. Et puis, je vous dis bonne soirée. Voilà. Bon, merci à vous.